merci pour votre présence à tous ce soir, pour cette rentrée du CNL. Je voudrais aussi remercier Mme Colette Bluc qui représente la mairie de Toulon, nous y sommes très sensibles. Et puis un très grand merci à vous Marc Crépon, que nous sommes très heureux d'accueillir. Alors, vous êtes directeur du département de philosophie à l'École normale supérieure, Normalien, directeur de recherche au CNRS, et vos recherches portent essentiellement sur la question des langues et des communautés dans les philosophies françaises et allemandes du XVIIIe et XXe siècle, sur la philosophie politique et morale contemporaine. Vous êtes l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, je ne pourrai pas les citer tous, et j'espère que vous me pardonnerez. J'ai retenu les promesses du langage, Benjamin Rosenberg et Heidegger en 2001, L'angle sans demeure en 2005 chez Galilée, Altérité de l'Europe en 2006, Vivre avec, La pensée de la mort et la mémoire des guerres en 2008, Le consentement meurtrier en 2012, en collaboration avec Frédéric Worms, La philosophie face à la violence en 2015, La peine de mort vers une abolition absolue, ouvrage collectif paru en 2011. Alors, l'ouverture d'un nouveau cycle veut que je dise quelques mots sur ce qui a présidé, au choix et à la formulation de ce nouveau thème, c'est-à-dire ce à quoi nous tenons vraiment. En premier lieu, ce nous fait référence à l'importance de votre implication, de votre participation, on ne pense pas tout seul. Ensuite, la polysémie formidable du verbe « tenir » nous invite à penser notre façon d'être au monde. Se tenir debout, résister, mais aussi inventer, espérer, se révolter si nécessaire, mais aussi tenir ensemble, mais aussi penser à ce qui nous tient ensemble, ce que nous tenons pour important, pour vrai, au sens ancien du mot, s'accrocher à quelque chose pour ne pas tomber. Ce quelque chose qui pourrait nous empêcher de tomber en état de violence pourrait bien être ces graines d'humanité pour aujourd'hui et pour demain du titre de votre conférence. Je rappelle quand même que dans le Sahara, même dans le Sahara, il y a des graines. Alors nous vous invitons donc, cher public, à être au moins trois choses ensemble. Et bien plus encore, pour tenter de répondre à la question souvent posée ici en Empire, que pouvons-nous faire face à la violence sous toutes ses formes? Tout d'abord, écouter les philosophes et les historiens qui sont à leur manière des démineurs, des avertisseurs d'incendie, selon l'expression de Walter Benjamin, et si possible, couper la mèche avant qu'elle n'atteigne la dynamite. Et question dynamite, Walter Benjamin savait de quoi elle était faite, cette dynamite, qui allait le mener le 26 septembre 1940 à Portbou à se suicider. Ou pour le dire autrement, nous aimerions être capables de sentir le grisou, vous savez, ce gaz incolore inodore tristement connu des mineurs, indétectable, mais apparemment pas pour tous. En effet, les mineurs faisaient descendre dans le puits des mines les oisillons qui, à l'approche du coup de grisou, se mettaient à trembler, gonfler leurs plumes, en somme servaient d'avertisseurs. Nul oisillon dans cet amphi, mais des femmes et des hommes aptes à voir venir les catastrophes et faire en sorte qu'elles n'adviennent pas. Être donc des démineurs, mais aussi trouver les mots et les images capables d'éclairer le monde et non de l'enténébrer. Je pense à la plaidoirie de Robert Badinter pour sauver la tête de Patrick Henry, qui fait une explication de texte ou une explication de mot. Et il dit « Guillotiner, ce n'est rien d'autre que de le couper vivant en deux morceaux. » C'est donc ici une image pour que les membres du jury échappent sans doute au gel de leur sensibilité. Et pour finir, pardonnez-moi d'avoir été un peu longue, être dans la conscience la plus claire possible de ce que nous ne voulons pas être ou de ce que nous ne voudrions pas que nos enfants deviennent. Autrement dit, faire. Et le mot faire prend tout son sens, c'est-à-dire faire des choix de société, être des porteurs de vie et non de mort, et quitter un état de soumission
qui aurait tout à voir avec le consentement meurtrier dont nos livres d'histoire sont gorgés. Merci donc, Marc Crépon, d'être là ce soir. Votre travail de philosophe nous accompagne depuis longtemps et il était très important pour nous que ce cycle commence avec vous. Voilà, merci pour votre attention. Pas de soucis. Alors, d'abord, merci à tous d'être là ce soir. Je suis assez impressionné de vous voir si nombreux. Il faut décidément vraiment quitter Paris pour trouver autant de monde. Merci. Je suis très content. Merci au Collège méditerranéen des libertés, dont j'ai entendu parler depuis bien longtemps. Donc, je suis très heureux que l'occasion me soit donnée de venir ce soir. Surtout pour ouvrir un nouveau cycle, et j'étais déjà très heureux de venir, je suis encore plus heureux après avoir entendu ces mots que vous venez de dire. Je regrette presque d'avoir préparé quelque chose, parce que j'aurais pu me contenter de rebondir sur chacun de vos mots, et ça n'aurait pas été rien. Je vais laisser la question du consentement meurtrier pour la discussion. Je vais vous parler d'autre chose, mais vous allez voir qu'il sera quand même question de graines d'humanité, qui sera question la sortie du consentement meurtrier, mais plutôt prise sous l'angle de ce qui m'intéresse en ce moment, qui est la sortie de la violence. Je vais, avant de commencer, vous faire une confession. Depuis 4-5 ans, c'est vrai, vous l'avez un peu rappelé, j'ai écrit plusieurs livres sur la violence. J'ai écrit au moins 4 derniers, les 4 derniers livres étaient consacrés. Je pensais en avoir fini. Je me disais que peut-être il serait temps de passer à autre chose et d'écrire le livre que j'ai très envie de faire un jour, qui s'appellerait « Émerveillement » et qui s'intéresserait juste aux mille et une raisons qu'on peut avoir de trouver la vie belle, de s'émerveiller, de regarder les choses du bon côté. Et puis, les 2-3 dernières années qui viennent de passer ont été terribles et elles nous ont confrontés, je ne parle pas seulement des attentats terroristes, de la violence, mais nous avons confronté aussi à mille et une manifestations de l'intolérable. Et après avoir construit de livre en livre le principe éthique auquel je tiens beaucoup, d'un refus radical, d'un refus inconditionnel, d'un refus sans concession de la violence, d'un refus de toutes les formes de justification de la violence, je me suis dit que c'était très bien de tenir ce principe hérité de Martin Luther King, de Gandhi et de beaucoup d'autres, mais qu'il fallait aussi se poser la question, une fois qu'on tenait ce principe pour absolu et pour inconditionnel, il fallait aussi se poser la question de savoir comment on l'a fait reculer la violence, comment ça peut se traduire politiquement, comment ça se traduit concrètement dans nos vies. Et donc, j'ai suspendu l'écriture de l'émerveillement pour reprendre mon bâton de pèlerin, et écrire un nouveau livre qui sortira aux éditions de Jacob au printemps prochain, qui va s'intituler « Inhumaines conditions », revenant sur les conditions du travail et de la précarité aujourd'hui, sur la question de l'immigration et du statut des réfugiés, sur la question de la peine de mort, sur un certain nombre de questions qui sont aujourd'hui encore des manifestations de l'intolérable. C'est de ça dont je vais vous parler dans la discussion. Si vous me posez la question, je vous expliquerai très rapidement ce que j'appelle consentement meurtrier. Donc je vais vous parler ce soir au plus proche des questions qui vraiment me tiennent à cœur aujourd'hui et que je travaille. C'était au début des années 1970, et déjà la question de l'immigration s'imposait de façon récurrente dans les débats politiques, avec son cortège de chiffres et de querelles statistiques. L'étranger s'installait dans le paysage comme l'élément d'une comptabilité controversée dont l'effet visait à susciter la conscience d'une menace avec la peur et le rejet qui l'accompagne. La vie politique s'accoutumait de ce rappel ininterrompu au gré permanent des campagnes électorales. Le nombre faisait loi, effaçant le soin apporté et l'attention accordée aux destinées individuelles, faites de séparation, de souffrances endurées et d'incertitudes. Ce ne seraient désormais plus des vies singulières qui seraient prises en considération,
mais l'épouvantail d'un conte abstrait. Bien des choses alors seraient comptées et des coûts mis au jour. Que l'économie, la sociologie, la démographie, la géographie, les sciences politiques, se dotant des moyens nécessaires, s'appliqueraient à établir. Dans la plupart des cas, ce sont les immigrés eux-mêmes, qui feraient directement l'objet de l'enquête. Sauf sur un point. Un point qui semble, à vrai dire, rebattu sur tous les modes, du consensus au conformisme le plus commode, mais prend ici la forme paradoxale d'une violence, la tolérance. La tolérance ? Une violence ? N'est-ce pas tout l'inverse qui vient spontanément à l'esprit, pour peu qu'on songe aux édits, aux essais, aux engagements qui l'ont érigé en principe de résistance à l'obscurantisme et au fanatisme ? De quoi s'agissait-il alors ? De rien de moins que la mesure ambiguë d'un seuil. Ce qui se donnait à quantifier, c'est la limite au-delà de laquelle le nombre d'étrangers ne serait plus accepté par la population. Le moment où il deviendrait inévitable, soulignait-on, que l'intolérance s'installe, avec toutes les violences verbales et physiques que cela pouvait supposer, des slogans hostiles aux manifestations diverses d'un racisme banalisé. Ce seuil de tolérance, on le nommerait aussi bien seuil d'intolérance, tant les mots ici veulent dire aussi aisément une chose que son contraire. L'expérience sur laquelle était censée se fonder la mesure de ce supposé seuil était en effet avant tout celle d'une prétendue irrépressible intolérance. Passé un certain seuil, il y aurait toujours eu trop d'étrangers dans le pays, dans la ville, dans le quartier, dans la cité, la résidence, l'immeuble, dans l'école et dans la classe. Poison des mauvais contes. Il n'en fallait pas moins, on l'aura compris, pour que l'idée de tolérance soit mise au service de la xénophobie. Une population donnée, identifiée par des critères d'appartenance variables et peu déterminés, les mœurs, la culture, la religion, la langue, ne pourrait supporter des individus ou des communautés étrangers à ces critères que dans une certaine limite, dont il appartiendrait aux gouvernants de veiller à ce qu'elle ne soit pas dépassée. Au-delà, il serait statistiquement prouvé que leur présence leur deviendrait nécessairement insupportable. Aussi, conçoit-on l'émoi. Les moins jeunes d'entre nous s'en souviennent, peut-être vous en souvenez-vous, conçoit-on l'émoi que provoqua dans ses propres rangs l'utilisation malencontreuse de cette expression, seuil de tolérance, par François Mitterrand au début de son second mandat, il y a plus de 25 ans. Elle devait entraîner de nombreuses protestations, à commencer par celle du philosophe Jacques Derrida, qui réagit vivement dans les colonnes de Libération le 22 janvier 1990. Je trouve l'expression répugnante. On essaie de naturaliser le problème, comme s'il existait un seuil de tolérance naturel, ainsi qu'il existe pour un poison, par exemple, alors que c'est un problème économique et politique. Cette métaphore organiciste est horrible. La responsabilité des politiques est de tenir compte de l'existence de ce fantasme, et de le traiter de telle sorte que sa nature, ses motivations racistes, soient dénoncées et transformées. Mais tout usage non critique de cette expression, donc seuil de tolérance, dans un discours de droite ou de gauche, est condamnable. C'est peu dire que depuis lors, la recommandation du philosophe fut peu suivie et sa condamnation restait sans effet. Voilà des décennies que les mauvais contes du seuil hantent la vie politique. L'objet de l'intolérance qu'ils mettent en avant peut varier, comme on le constate aujourd'hui à travers l'obsession maladive d'une islamisation de la France ou d'un prétendu grand remplacement. Il n'en demeure pas moins que ce sont toujours les mêmes passions négatives que produisent ces contes et sur lesquelles s'appuient ceux qui s'en réclament pour exiger la fermeture des frontières et l'expulsion des indésirables. La peur, la colère, la haine, le ressentiment. Deux remarques s'imposent alors.
La première est que l'établissement ou la fixation de ces seuils, profondément ancrés dans l'imaginaire collectif, se base des atouts d'une fausse objectivité. Car rien n'est dit de leur nature. Qu'est-ce qui les détermine, ces seuils ? Sont-ils d'ordre culturel ? Et dans ce cas, cela signifie-t-il qu'ils varient d'un pays, d'une culture à l'autre ? Il serait urgent alors de s'interroger sur les facteurs de cette variation. S'agit-il d'histoire, d'éducation ou d'une quelconque idiosyncrasie des passions qu'on rappelait à l'instant ? Rien alors à supposer qu'on reconnaisse à ces seuils l'expression d'une quelconque vérité n'imposerait de les tenir pour fixer une fois pour toutes. Comme s'ils relevaient d'une loi de la nature, ou de façon plus confuse encore, d'une hypothétique loi de l'histoire. Voulons-nous admettre qu'ils traduisent quelque réalité modifiable, celle-ci fut-elle largement instrumentalisée pour devenir un objet de propagande ? Il faudrait reconnaître alors qu'aucune tâche ne s'impose de façon plus urgente que celle de travailler à leur déplacement. N'est-ce pas en demeurant à cela que s'identifie l'héritage des Lumières quand il poursuit le combat mené depuis plus de deux siècles contre toutes les formes d'intolérance qui auront fait et font encore le lit de la violence. Si le prétendu seuil de tolérance a pour raison d'être un racisme endémique, il serait pour le moins étrange de le tenir pour acquis et de donner droit à son état de fait. Il y aurait une curieuse démission de la pensée, de l'action, de l'éducation, voire même de l'ensemble des idéaux de la civilisation, au sens où Freud en définissait la finalité comme l'extension progressive des liens affectifs qui nous attachent au reste de l'humanité. Il y aurait une étrange démission dans le fait de s'accommoder des violences que ce racisme porte en lui comme son ombre mortifère. Ces exclusions, discriminations, persécutions, dont la justification reposera toujours pour le pire sur l'idée obscure qu'il est des seuils qui ne sauraient être dépassés. Trop c'est trop, trop d'étrangers, trop de juifs, trop de musulmans, trop de tutsis, logique génocidaire. La seconde remarque porte sur l'idée toujours problématique de tolérance. On ne contestera pas le fait qu'elle demeure plus que jamais un principe politique incontournable, au service de la liberté de culte, d'opinion et de mœurs. Les essais qui jalonnent son histoire, qu'il s'agisse parmi tant d'autres des lettres sur la tolérance de John Locke ou du traité sur la tolérance de Voltaire, rappellent les formes de sécurité élémentaire, de protection vitale dont elle s'accompagne. Ce sont à chaque fois des privations de liberté très concrètes que la tolérance aura pu s'attacher à lever. C'est pourquoi le combat pour la tolérance est interminable. Le combat pour la tolérance est interminable. L'idée selon laquelle il existerait un seuil de tolérance en révèle pourtant non seulement la fragilité, mais également, comme je le soulignais à l'instant, la violence constitutive, dès lors qu'elle porte en miroir la fixation et le rappel de ses limites. Comme si la tolérance ne pouvait être mieux ni autre chose que l'objet d'une concession conditionnelle, d'une grâce mesurée, toujours susceptible d'être suspendue. Pour nous en tenir très provisoirement à la question de l'accueil des étrangers, rien ne traduit davantage cette fragilité que la variation aléatoire des conditions d'obtention d'un visa ou d'un permis de séjour au gré des circonstances d'un pays à l'autre. Qu'elle soit à ce point susceptible d'être modifiée par le fait du prince ou du régime qui est défini, comme tant de ressortissants syriens, irakiens, iraniens et autres en ont fait récemment l'expérience à la porte des États-Unis, signifie deux choses. D'abord que l'étranger accueilli sur leur sol y est tout juste toléré, parce que les droits dont il bénéficie peuvent lui être ôtés, rayés d'un trait de plume abusif du jour au lendemain. Ensuite, que cette tolérance trouve du même coup sa vérité dans la menace qu'il a définie. L'essence de la tolérance, c'est d'être une épée de Damoclès suspendue au-dessus de celui qui en bénéficie.
Ce qu'elle concède sera toujours de l'ordre d'un sursis. Un sursis qui, pour ces millions d'hommes et de femmes, tantôt parqués dans des camps de réfugiés, tantôt voués à l'errance et à la clandestinité, s'apparente pour beaucoup à une voie sans issue. Revenons-en en effet au seuil de tolérance que nous n'avons en réalité guère quitté. Il faut rappeler comment se traduit aujourd'hui dans les faits partout en Europe leur réalité juridique. Signant ce qu'on a récemment appelé la fin de l'hospitalité, elle a conduit depuis des années à un durcissement constant des politiques migratoires, finissant par faire voler en éclats, à l'occasion d'une crise majeure, les principes de solidarité et de fraternité sur lesquels l'Europe s'était construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Parce que ces politiques ont voué des milliers d'hommes et de femmes fuyant la guerre et la misère à tenter une traversée incertaine de la Méditerranée ou de la mer Égée sur des embarcations de fortune, elles les ont condamnés à une mort probable dont aucun responsable, aucune autorité, aucune institution ne se trouvera obligé de répondre au bout du compte. Jamais on a autant éprouvé combien le vrai visage de ces seuils est d'être une exclusion mortifère. Deux traits les caractérisent en effet. D'abord, ils ignorent les singularités. Un seuil est un seuil, un quota, un quota. Et quand on s'imagine qu'ils sont atteints, quand on déclare, proclame et institue sur tous les modes que la population autochtone ne pourra supporter plus d'étrangers qu'elle en accueille déjà, l'interdit ne souffre plus d'exception. Il se préoccupe de moins en moins de connaître les raisons qui ont poussé à partir ceux qu'on ne veut pas voir arriver. Le second trait concerne le rapport de domination entre celui qui accorde la tolérance et celui qui en bénéficie. Parce que le souci de la quantité, le chiffre, le taux, le coût est prédominant, la tolérance a tout d'une condescendance arbitraire, qui, loin d'impliquer l'octroi d'une reconnaissance, s'impose aux migrants tolérés, impose aux migrants tolérés de n'en attendre et de n'en espérer aucune, ni pour ce qu'ils sont ou ont été, ni pour aucune de leurs qualifications ou compétences. Qu'ils prennent, laisse-t-on entendre à mi-mot, ce qu'on veut bien leur donner et s'estiment heureux de la grâce qui leur est accordée. Des seuils dits de tolérance qui sont le masque d'une intolérance impitoyable. Est-ce le dernier mot de la tolérance, dont l'invocation serait du même coup toujours suspecte de s'inscrire dans une durée provisoire et à ce titre potentiellement meurtrière? Il importe de ne pas se précipiter. Et l'on est en droit de se demander dans quelle mesure renvoyer l'idée même de tolérance aux oubliettes de l'histoire ne revient pas à renoncer à ce que malgré tout elle a pu signifier et contribuer à instituer comme suspension de la violence. Être toléré, ce ne fut assurément jamais un bien en soi, ni la garantie d'une sécurité totale, encore moins d'un salut. Mais ce fut souvent, pour beaucoup, dans des temps sombres, un moindre mal, un répit et une respiration. C'est alors qu'un troisième terme fait son apparition, sur lequel vont se concentrer l'essentiel de mes analyses. Un troisième terme fait son apparition, l'intolérable. Il n'est pas moins problématique que les deux précédents, tolérance, intolérance, et aura tout autant servi de caution à des actions et des politiques sanglantes. Lorsqu'un être en situation de dominer, un esclave, un serviteur, un employé, et dans tant de situations encore une femme, un enfant, est exposé à la colère de son maître, compagnon, père ou mère, parce que ceci estime que son attitude, ses propos, ses faits et gestes sont intolérables, il est toujours en situation d'insécurité. Cette ambivalence est le propre de tout appel à un prétendument sentiment de justice, individuel ou collectif, qui se donne le droit de réprimer ce qu'il estime ne pas pouvoir ni devoir tolérer. Combien de saccages, de lynchages et de pourreaux s'en sont réclamés? Combien de droits sanguinaires donnés aux préjugés les plus barbares au nom d'un tel sentiment, le sentiment de l'intolérable? Ernst Bloch, le grand philosophe Ernst Bloch,
le rappeler dans une page saisissante de son grand livre « Droit naturel et dignité humaine ». Le nazi, je cite, « Le nazi, lui aussi, en appelait au sentiment de justice. La loi de Lynch le fait depuis longtemps. Lorsque les maîtres blancs et les babites des états sudistes se sentent en veine de justice, tous les noirs se mettent à trembler à juste titre. Nul moyen d'y échapper, il se trouvera toujours et partout des hommes et des femmes pour juger intolérable que l'on puisse vivre et penser différemment d'eux. Impossible pourtant de s'en tenir à ce constat. Donc je vous dis tout de suite, je vais évidemment réhabiliter, c'est ça le cheminement de la conférence, je vais réhabiliter et la notion d'intolérable et la notion de seuil de tolérance, mais en leur donnant une toute autre acceptation. Je suis parti du pire pour aller maintenant. Impossible pourtant de s'en tenir à ce constat. L'intolérable, alibi de l'intolérance, ce ne saurait être toujours le cas. Supposer l'inverse conviendrait à considérer, en effet, qu'il n'y a rien que l'on doive juger et dénoncer comme tel, et que par voie de conséquence, tout doit être toléré. Alors quoi ? Il n'y aurait rien, aucune forme d'exploitation, aucun rapport de domination, aucune politique auquel il serait de notre responsabilité de nous opposer, contre lesquels on devrait résister et protester, parce qu'il est contraire au respect de la dignité humaine ou à tels autres de principe de ne rien dire et de ne rien faire. Renoncer à la dénonciation de l'intolérable, quand des lois scélérates sont adoptées, des décrets abjects appliqués, comme c'est aujourd'hui le cas aux États-Unis, des pratiques de pouvoir, de direction et de management destructrices mises en place, comme tant d'entreprises se le permettent, n'est-ce pas faire le lit de tous les consentements meurtriers qui fragilisent la vie des individus? Voilà pourquoi il est plus que jamais nécessaire d'inscrire l'intolérable dans une autre histoire, qui est celle de notre rapport à la violence. Autrement dit, de la perception et de la sensibilité que nous acquérons de phénomènes, de situations ou de circonstances déterminées comme intrinsèquement violents, parfaitement injustifiables et à ce titre intolérables. Alors, oui, en fait, je suis très optimiste, contrairement à ce que vous pourriez vous imaginer vu les lignes. Je suis très optimiste parce que je pense que la violence recule, effectivement, parce que je pense que les sociétés sont capables de reconnaître, à un moment donné de leur histoire, des formes de violence que jusqu'alors elles ne savaient pas reconnaître comme telles. Donc il y a des formes de violence dont les sociétés savent se défaire. Je pense même que ce qui fait l'historicité de la condition humaine, évidemment ça ne marche pas au même rythme partout. C'est pas pareil dans toutes les sociétés. Ce qui fait l'historicité de la condition humaine, c'est la modification de notre sensibilité à la violence, de notre perception de phénomènes comme violents. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous donne trois exemples qui sont extraordinairement parlants. Le premier... c'est le travail des enfants. Le premier, c'est le travail des enfants. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé hier soir à la télévision Germinal. Il repassait le... pas un très très bon film, enfin Germinal. Si vous vous reportez à la fin du 19e siècle, quand vous lisez Dickens, Zola, Hector Malot, on voit bien que le travail des enfants est la norme, c'est la règle. Ça ne choque... ça choque les écrivains qui déjà commencent à protester, les intellectuels, quelques mouvements, mais l'ensemble de la société s'accommode parfaitement du travail des enfants. Aujourd'hui, dans les sociétés européennes, il est inconcevable de revenir en arrière. Il est inconcevable de mettre au travail des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc les sociétés démocratiques occidentales se distinguent par le fait que cette forme de violence intolérable, celle faite aux enfants qu'on met au travail, elles ont su s'en débarrasser. C'est pas le cas partout dans le monde. Et même parfois, la législation n'y suffit pas. En Inde, il y a tout ce qu'il faut pour interdire le travail des enfants. Il y a une législation qui existe. Bon. Mais il y a des millions d'enfants qui travaillent, y compris pour certains d'entre eux, dans des situations de quasi-esclavage. Je vous donne un deuxième exemple. Les peines cruelles, la peine de mort, la torture, etc. La peine de mort. Il a fallu, c'est très récemment, c'est-à-dire c'est dans l'espace d'un demi-siècle, que les sociétés occidentales ont banni la peine de mort de la législation. Mais quand on lit Victor Hugo, qui a été un infatigable combattant pour l'abolition de la peine de mort, on se rend compte qu'à l'époque de Victor Hugo, si vous lisez la grande littérature du XIXe, et encore dans toute la première moitié du XXe siècle,
il y a une très très grande majorité de la population, des élites politiques et intellectuelles, pour continuer à considérer que c'est un châtiment nécessaire, et même pour considérer que certaines formes de peine cruelle, indépendamment même de la peine de mort, sont nécessaires. Et je vous donne un troisième exemple, et après je reprends le fil de mon propos. Le troisième exemple, qui est évidemment terrible, et c'est là où on voit l'énorme travail qu'il faut faire pour se défaire de la violence, c'est les violences domestiques et éducatives. Pendant très longtemps, elles ne sont pas pénalisées. Pendant très longtemps, elles sont tout à fait admises parce qu'elles sont l'affaire des familles. Elles se passent les volets clos, derrière les portes fermées, à l'abri des regards, et la puissance publique n'a pas à intervenir. Aujourd'hui, on n'en a pas fini avec les violences domestiques ni avec les violences éducatives, mais elles sont illégales. Elles sont pénalisées. Il y a eu un travail associatif considérable fait pour que, au bout du compte, par le biais de grandes voix, plus de voix associatives relayées par le travail du législateur, la violence publique. C'est de ça dont je vais parler maintenant. Et donc vous voyez que ça change tout à fait la notion de seuil de tolérance, puisque le seuil de tolérance dont il est question, c'est le seuil de notre tolérance à la violence. Et donc c'est l'idée que le recul de la violence passe, et je vais montrer comment, par le déplacement de ce seuil. C'est-à-dire par la perception de phénomènes comme intolérables, par de phénomènes porteurs d'une violence intolérable, et la nécessité de faire reculer le seuil de leur tolérance. Donc, il a bien fallu, donc parce que l'ordre du monde, l'ordre des choses, les supposées lois de l'histoire ou celles de l'économie, la tradition, autant de forces conservatrices réclament au contraire qu'on s'accommode de la violence, cette perception et cette sensibilité nouvelle, dont je parlais aujourd'hui à travers trois exemples, sont toujours une conquête. Son histoire laborieuse, souvent douloureuse, avec son cortège de voix héroïques et de vies sacrifiées, définit la condition humaine. Il a bien fallu en effet qu'un jour certaines formes de torture et de châtiment, à commencer par la peine de mort, mais aussi des mauvais traitements dans la sphère intime, violence conjugale, viol, inceste, torture, et dans l'espace scolaire, punition humiliante, des conditions de travail inhumaines, le travail des enfants, des journées et des semaines de labeur sans respiration, soient perçus objectivement comme des formes de violence qui ne devaient plus être tolérées pour que la loi les déclarant illégales, elles cessent de l'être. Il en résulte deux remarques qui tiennent à l'histoire et à la géographie. La première est que, pour peu que l'on se reporte loin en arrière, cette perception et cette sensibilité sont évolutives. Il n'est pas si loin le temps où l'exploitation des enfants était tolérée, les châtiments corporels à l'école acceptés comme la rançon d'une instruction efficace, le harcèlement et ses humiliations ordinaires considérées comme anodins. Au regard de la longue durée, c'est finalement assez récemment que la société a cessé d'ignorer les violences conjugales et parentales, qu'elle a proscrit la torture, ou encore qu'elle a aboli la peine de mort dans une majorité de pays. Il est d'usage, comme on sait, d'émettre, en référence aux travaux de Claude Lévi-Strauss, quelques réserves sur la notion de progrès, en raison des formes de domination que son invocation aura si souvent masquées. Tout progrès devra toujours être mesuré à l'aune des vaincus, de ceux qui l'oublient et excluent, et il y aura toujours quelques supercheries à faire mine de l'ignorer. Mais ici, nous tenons pourtant un domaine dans lequel la notion de progrès retrouve sa nécessité. Progressive, nous le dirons en effet de toute société qui ne s'accommode plus de violences qu'elle a longtemps acceptées. Il reste que toutes les sociétés ne sont pas progressives également ni au même rythme. Ce qui appelle une deuxième remarque. Voilà déjà plusieurs décennies qu'une question empoisonne les débats politiques et les querelles d'intellectuels. Celle du supposé relativisme culturel qui conduirait les uns à tolérer des pratiques culturelles inacceptables au nom du respect de la diversité, tandis que les autres les refusent au nom de principes universels. En un sens, rien de ce que je viens de vous exposer n'est étranger à ces controverses. La question du recul de la violence permet pourtant une toute autre approche. Il ne s'agit ni de critiquer ni de condamner la culture des autres au nom d'un universel abstrait, mais de reconnaître comme un critère de jugement commun
la progression qui frappe d'interdit les formes de violence jadis tolérées. Cette tolérance durable fut-elle justifiée par le poids des traditions ? Nous devrons, je ne sais pas si nous aurons le temps aujourd'hui, nous interroger sur les traits distinctifs qui permettent d'identifier comme violent, je le ferai tout à l'heure si vous le voulez dans la discussion, un phénomène, un geste, une parole, une action, une pratique ancestrale, une politique déterminée, laisse espérer qu'ils finissent par apparaître pour ce qu'ils sont, la persistance et la résistance d'un état de fait intolérable. Mais nous pouvons retenir d'emblée que cette attention portée à la violence permet d'échapper à quelques-uns des pièges tendus par le relativisme culturel sans souscrire à un universalisme de surplomb, ignorant des différences. Il n'est pas juste, disons-le tout net, qu'une mutilation des corps, quelle qu'elle soit, à commencer par celle du corps de la femme, au nom d'un dogme quelconque, puisse être tenue pour acceptable nulle part, ni que la force des préjugés doive être alors respectée au détriment d'une perception et d'une dénonciation sans concession de la violence qui fait l'essence de cette mutilation. Toute position contraire revient à cautionner la violence au nom d'une identité construite, imaginée, sinon fantasmée comme immuable pour des raisons obscures et des jeux de pouvoir. Il est tout autant injuste de considérer la torture, les exécutions arbitraires, la peine de mort comme légitime au regard de nouvelles menaces, en oubliant le caractère intolérable de ce qu'elles font de façon chaque fois singulière aux âmes et aux corps. Dans un cas comme dans l'autre, et parmi tant d'autres possibles, ce sont les effets de la violence qui sont minimisés. Ces effets auxquels il faudra toujours en revenir pour que l'intolérable apparaisse aux yeux de tous, quelles que soient leurs attaches culturelles ou communautaires, familiales ou religieuses, pour ce qu'il est précisément une violence insoutenable. Donc vous aurez compris depuis un moment qu'il en résulte une toute autre perception de ces seuils de tolérance que celle dont nous sommes partis. Il faut dire enfin un mot de la condition humaine. Ce qui en fait l'historicité, c'est précisément la modification de ces seuils. La première image, à vrai dire, on hésite entre deux façons de se le représenter. La première image est celle d'une horizontalité. Elle consiste à mesurer sur une ligne le recul de notre tolérance à la violence. Moins nous tolérons, plus nous nous opposons, plus le curseur se déplace. Le seuil de ce que nous acceptons sans protester, parce qu'il en a toujours été ainsi, recule. La seconde image est verticale. Elle figure l'échelle de la désaccoutumance que nous pouvons monter ou descendre. Plus nous avançons vers son sommet, plus nous refusons les formes de brutalité, les crimes que nous avions coutume de tolérer. Chaque barreau que nous laissons derrière nous signifie un type de violence que nous ne sommes plus prêts à accepter individuellement ou collectivement. Mais il arrive aussi, et nous n'avons pas fini de nous interroger sur ce terrible phénomène, il se pourrait même qu'il soit la raison d'être de mes réflexions aujourd'hui, et que ce soit ça qui m'ait finalement conduit à retarder le livre sur l'émerveillement et à écrire encore ce nouveau livre qui sortira au printemps prochain. En fait, c'est vraiment comme ça que les choses se sont passées. Il arrive aussi qu'au lieu de continuer à progresser, nous commencions, pour des raisons obscures, à descendre l'échelle. Nous y viendrons peut-être dans un moment. Ce qui se produit alors n'est rien moins que le retour en grâce d'un type de violence déterminée sous l'effet de forces idéologiques, politiques ou religieuses qui y trouvent leur intérêt. Un ensemble déterminé d'individus, quelle que soit la nature de la différence qui les caractérise, se croyait à l'abri, protégé par le droit, par la culture, par l'évolution des mœurs et des mentalités, et voilà que l'horizon s'assombrit, remettant tout en question. Je peux vous donner quelques exemples, je ne vais pas détailler, mais je ne sais pas si ça a retenu votre attention, mais il y avait dans l'arsenal législatif russe, hérité de l'Union soviétique, il y avait une pénalisation effective des violences domestiques. Le Parlement de Russie, l'hiver dernier, il y a
près d'un an, est revenu en dépénalisant les violences domestiques. Je vous donne un exemple aussi. La Turquie est une grande société, s'était construite comme une grande société. La Turquie s'était construite comme une grande société démocratique, ce qui, à mes yeux, mais c'est un autre débat, implique toujours une forme de liberté académique. Société démocratique, c'est l'un des critères d'une société démocratique, il y en a beaucoup, mais c'est une société où on peut enseigner ce qu'on veut dans les universités, dans les écoles, etc. Où on a, en tout cas dans les universités, où on jouit d'une certaine liberté académique. Ça n'est plus le cas en Turquie aujourd'hui, ça n'est plus le cas en Inde aujourd'hui, ça n'est pas le cas en Russie, ça n'est pas le cas en Chine, etc. Mais il y a des pays où ça a été le cas en Inde, en Turquie, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on peut gravir les barreaux de l'échelle, mais on peut aussi descendre. Quoi qu'il en soit, les deux images, celle du recul et celle de l'échelle, illustrent la même thèse. Là où d'aucuns voudraient signifier que le mal et la violence sont enracinés dans la nature humaine, et qu'il est vain, sinon naïf, de vouloir s'y opposer. On rappellera au contraire que la vie humaine, s'y distingue par la transformation constante de sa sensibilité et des façons de dire et de faire qu'on dira violente. De sa sensibilité à des façons de dire et de faire qu'on dira violente. Rien ici, il est vrai que cette métamorphose ne va pas de soi. Rien ici ne relève de la nature. Elle résulte bien davantage d'abord d'une indignation et d'un mouvement de protestation dans lequel se conjuguent des volontés individuelles et associatives pour réveiller les consciences en leur faisant percevoir l'intolérable comme tel. Vous voyez, là, je parle des graines d'humanité et de ce à quoi nous tenons et de ce à quoi nous devons tenir. Donc elle résulte bien davantage d'abord d'une indignation et d'un mouvement de protestation dans lequel se conjuguent des volontés individuelles et associatives pour réveiller les consciences en leur faisant percevoir l'intolérable comme tel. Ensuite, du relais de ces volontés par le travail du législateur qui le reconnaît, le dénonce, le proscrit et le réprime dans la loi. La politique, qui n'appartient exclusivement à aucun de ces deux mouvements, ni le mouvement protestataire, ni le travail du législateur, mais requiert leur articulation, n'a pas d'autre sens, ni d'autre vocation. Intolérable, décréta-t-elle un jour, des journées, des semaines, des mois et des années de travail qui ne laissent aucun loisir. Intolérable le travail des enfants, les salaires de misère, le harcèlement sexuel et moral, les risques sanitaires et environnementaux au mépris de la vie. Intolérables encore les emprisonnements et les peines arbitraires, sans rien dire des châtiments cruels qui torturent les corps et les esprits, comme la machine infernale imaginée par Kafka dans la colonie pénitentiaire. Intolérables enfin les formes d'humiliation, d'asservissement, les mauvais traitements et les coups qui pendant longtemps s'immiscèrent dans le secret des familles, à l'abri des portes closes et des volets fermés, sans que les victimes n'aient aucun recours pour y échapper. La famille, le travail, la cité, on ne s'étonnera pas de les voir ici mises en série, les relations qu'ils impliquent décrivent en grande partie la condition humaine. J'y viendrai peut-être ici un moment, disons un mot en attendant de la façon dont la tolérance et l'intolérable, rapportées à l'expérience de la violence, ne sont plus sujets à l'ambivalence constitutive que je rappelais en commençant. Ce qu'on pourrait soupçonner dans chacune de ces deux idées tenait précisément, vous vous en souvenez, à la crainte qu'elles servent de justification à des pratiques autoritaires intrinsèquement meurtrières. Tant que leur invocation n'avait d'autre but que d'assigner des limites à la tolérance, en rappelant à chacun les barrières qu'il convenait de ne pas franchir en termes de quotas, mais aussi de divergence des mœurs, des pratiques culinaires ou vestimentaires, sous peine de se rendre intolérable, elle faisait planer une menace plus ou moins explicite sur ceux qui s'en trouvaient visés, pour ne pas dire vilipendés ou stigmatisés dans leurs différences. Pour cela, le seuil de tolérance se traduisait inévitablement par un surcroît de vulnérabilité. Pour peu que la mode soit à la surenchère sans fin des complications et des difficultés de l'existence, comme cela semble être le cas pour les réfugiés partout dans le monde, leur fragilité ne pouvait que s'accroître et la tolérance dont ils font l'objet se réduire progressivement année après année comme une peau de chagrin. Si l'on devait analyser la façon dont la question des étrangers
a évolué depuis quelques décennies. Dans le discours des responsables politiques et pour une part croissante de l'opinion, nul doute que c'est une réduction de cet ordre qui en apparaîtrait comme le fil tristement conducteur. Voilà comment l'accoutumance à la violence relève de ce que j'ai appelé jadis une lente sédimentation de l'inacceptable. Des façons de dire et de faire, brutales et outrageantes, s'installent dans le paysage. On n'y prête plus attention, ou si peu, laissant s'éclipser peu à peu l'indignation qu'elle devrait encore susciter. Ainsi avons-nous pris l'habitude d'entendre parler des étrangers, des travailleurs immigrés de façon tellement péjorative que tout le bénéfice qu'une société a pu jadis tirer de leur accueil, et le pourrait sans doute si elle s'en donnait les moyens, s'est effacé. En même temps, les principes qui fondent cet accueil ont perdu de leur force, sans que la plupart s'en inquiètent. La fraternité, la solidarité, et avec elle tout ce qui donne droit à une compassion indissociablement morale et politique, semble renvoyer aux oubliettes de l'histoire. Est-ce si vrai ? Il faut aussitôt nuancer le propos, car il se trouve partout des hommes et des femmes pour s'organiser et opposer individuellement et collectivement, une résistance active à cette sédimentation. Alors, je vous le dis, l'une des vraies motivations que j'ai eues en acceptant votre invitation, c'est parce que, pour moi, le Collège méditerranéen s'inscrit exactement dans cette ligne-là. Le Collège méditerranéen des libertés relève de ces grands mouvements qui, effectivement, s'organisent pour opposer individuellement et collectivement, comme ils l'ont fait depuis 25 ans, une résistance active à la sédimentation de l'inacceptable. Songeons donc à ces réseaux associatifs qui se portent le plus souvent bénévolement au secours non seulement des réfugiés, des sans-papiers, mais de façon plus large encore de tous ceux dont les conditions d'existence précaires demandent un soin et une attention. Poussons plus loin l'analyse. Cette sédimentation de l'inacceptable, cette accoutumance au spectacle de ces conditions d'existence que sont le mal logement, la malnutrition, la désocialisation, dessine l'ordre d'une coexistence qui divise la société de multiples façons. Elle sépare, pour commencer, sur le plan de la sensibilité politique, deux façons de voir et de penser que tout oppose. D'un côté, on trouve ceux que la proximité de ces conditions inhumaines ne perturbe guère, tant leur individualisme et leur égoïsme l'emportent sur toute autre considération, tant les seuls droits qui les intéressent sont ceux qui les concernent directement et que s'estimant chez eux, ils n'imaginent pas une seconde qu'ils pourraient eux aussi se retrouver un jour du mauvais côté. De l'autre se trouvent rassemblés ceux que l'intolérable révolte et scandalise. C'est de leur rang que sortent ces militants qui donnent inlassablement de leur temps et de leur énergie pour porter secours. Pèlerins d'Emmaüs, bénévoles des Restaurants du Cœur, militants du DAL, du GISTI, d'Action contre la faim et de tant d'autres associations. Ils vivent avec la conviction intime qu'il leur est impossible de rester sans rien dire et sans rien faire. Et que toute passivité de cet ordre vient à s'accommoder de conditions d'existence inhumaines. Parce que ces conditions sont à la fois proches et lointaines, familières et étrangères, ils savent combien elles en appellent à la conscience morale et à la responsabilité politique de chacun. Et rien ne leur apparaît plus redoutable que la résignation ou l'indifférence. Répondre à cet appel, c'est décider un jour, parce que trop c'est trop, de ne plus tolérer l'intolérable. C'est se mettre psychiquement et physiquement dans la position d'une perception et d'une vigilance accrue que rien ne pourra détourner de ce qui indigne la conscience. Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère le soulignent admirablement dans un livre paru l'an dernier qui s'appelle « La fin de l'hospitalité ». Et je vous lis ici ce qu'ils disent à ce sujet. Des vies se sentent appelées par d'autres vies à venir en aide à ces vies, car de l'intolérable a surgi dans le monde, dont il faut bien répondre
pas laisser l'inhumanité prospérer. Car de l'intolérable a surgi dans le monde dont il faut bien répondre pour ne pas laisser l'inhumanité prospérer. Voilà comment l'intolérance change de sens. Loin de cautionner quelque violence que ce soit, d'ordre symbolique, culturel, économique, social ou politique, elle trouve ses racines dans l'impossibilité vitale de s'accommoder des conditions inhumaines qui affectent l'existence d'une population donnée. Mais la violence ne se limite pas à cette séparation des sensibilités entre ceux qu'elle indiffère ou ne dérange guère et ceux qu'elle ne laisse plus en repos. Parce qu'elle se prête à toutes sortes d'exploitations partisanes, il n'est pas rare qu'elle serve à instaurer également une division redoutable entre ces différentes victimes, dressant une misère contre une autre, comme si l'attention, le soin et le secours que l'on pourrait accorder aux uns, par exemple les réfugiés, étaient volés à d'autres, également démunis, agriculteurs endettés, ouvriers licenciés, etc., etc. Tous ceux plus généralement que les conditions actuelles de l'emploi et du travail enferment dans une vie précaire. Marchandage insensé du soutien, marchandage intéressé du soutien, perception sélective de l'intolérable. Ce n'est pas autrement que les populistes nationaux et xénophobes s'emparent de la question de l'étranger et de ces fameux seuils de tolérance-intolérance qu'on évoquait en commençant. L'idée de préférence nationale, que d'aucuns voudraient imposer comme une évidence du cœur ou de la raison et comme un principe d'action politique, n'a pas d'autre logique. Elle choisit sa violence. Toutes les formes de précarité violente qu'elle entend secourir lui servent de justification pour refuser d'accorder la moindre attention et la moindre considération à ceux auxquels elle ne promet du même coup rien d'autre qu'encore un peu plus de violence. Brimade, interdiction, expulsion, etc. Il en résulte une toute autre compréhension de la notion de seuil de tolérance. Le seuil, en effet, il désigne toujours le basculement de la tolérance dans l'intolérance, mais d'une toute autre façon. Cesser de fermer les yeux, de se boucher les oreilles, de voir sans voir, d'entendre sans entendre, de passer son chemin, voilà son enjeu. Et s'il n'échappe pas davantage au scandale d'une quantification sur tous les plans, les chiffres de l'immigration, de la pauvreté, du chômage de masse, les indices de la dégradation de l'environnement, celle-ci a une toute autre signification. Combien faut-il de noyés dans les eaux de la Méditerranée et de la mer Égée pour que les politiques migratoires européennes nous apparaissent comme une injustice criminelle? Combien de sans-abri croisés dans les couloirs du métro pour nous faire juger iniques les promesses récurrentes de candidats qui les auront oubliés aussitôt élus? Combien d'hommes et de femmes vivant dans la plus grande précarité? Combien d'enfants souffrant de malnutrition? Combien de suicides sur les lieux de travail pour qu'on s'indigne des nouvelles formes d'aliénation que produisent des conditions inhumaines, horaires, pression, chantage au rendement et à la compétitivité, harcèlement des résultats comptabilisés? Combien d'usines fermées, d'emplois perdus au nom de la sacro-sainte compétitivité et de l'augmentation des dividendes, avant que la gestion des ressources humaines que ces pratiques supposent n'apparaisse pour ce qu'elle est, un abandon destructeur, un drame humain démultiplié en toute impunité. Le seuil, alors, comment le comprendre? Comme un point de bascule, assurément, mais plus encore comme une rupture désirée. Il ne se concrétise en effet que dans la mesure où les limites du tolérable ayant été enfin éprouvées, le désir s'impose partout que les temps changent. Le franchissement du seuil se traduit dans les faits, prenant la forme d'une prise de parole ou d'une action qui retourne le consentement en indignation, en protestation et en révolte, au besoin en désobéissance civile. Ce n'est pas autrement que dans l'histoire, non pas la violence en général, mais telle forme ou telle pratique de violence auront reculé à défaut d'être éradiquée. Aussi, l'engagement politique, tout citoyen confondu, ne devrait-il pas se reconnaître d'autres horizons? Toute transaction avec son exigence en est déjà la perversion. Il se trahit lui-même pour peu
qu'il renonce à la charge de produire cette rupture qui est d'abord un bouleversement nécessaire de conscience. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Je pourrais continuer très longtemps, parce que je vais m'arrêter là, parce que je ne peux pas vous avoir exposé ce que j'ai exposé là en prenant tout le temps de parole et en vous refusant la discussion. Je suis tout à fait conscient que ce que j'ai dit là, vous pouvez avoir envie de discuter, donc je préfère l'arrêter pour courir le risque de la discussion et de l'objection. Merci. De violence qui tente à se banaliser d'après moi, ce sont les violences qui sont dues aux sanctions économiques. Les sanctions économiques se multiplient, Cuba, le Venezuela, la Russie, la Corée du Nord, etc. Ces sanctions qui risquent d'entraîner une précarité, une pauvreté, la misère. Ces sanctions se font toujours de manière unilatérale, ce sont toujours les mêmes pays qui sont sanctionnés et d'autres qui ne le sont jamais. Est-ce qu'on a déjà vu les USA sanctionner, la France ou l'Allemagne sanctionner? Je ferai remarquer aussi que ce sont les mêmes pays aussi qui envoient des bombes dans des tas d'autres pays. Ce ne sont pas les pays sanctionnés souvent qui envoient des bombes. Ce qui se passe aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une caution de la part de l'Europe maintenant. L'Europe cautionne ces sanctions très souvent. L'ONU aussi également. Voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que nous devons faire quelque chose là-dessus? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Obama disait que les sanctions contre Cuba n'avaient pas servi à grand-chose. Moi je les trouve assez injustes. Alors je vous remercie infiniment de cette question. Pour plein de raisons, d'abord, c'est une question extrêmement juste. Et aussi parce que, évidemment, j'avais un petit remords. De toujours pas vous avoir expliqué ce que s'appelle consentement meurtrier. Et là, votre question me permet de l'expliquer magnifiquement. Donc je vais vous expliquer ce que j'appelle consentement meurtrier et en même temps, monsieur, répondre à votre question. Moi, je parle du principe, et je ne connais pas d'autre, que les relations humaines sont fondées sur la responsabilité du soin, de l'attention et du secours qu'exige pour tous et de partout la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Donc c'est un principe éthique radical, c'est un principe absolu, c'est un principe éthique comme tous les principes éthiques doivent l'être, universel, qui ne fait pas de différence. C'est toute la différence entre un principe éthique inconditionnel radical et une morale casuistique, une morale qui s'accommode des faits. Bon. Ce principe, je l'ai construit précisément pour la raison que pose votre question. Parce qu'évidemment, dans la vie pratique, nous ne sommes pas à la mesure d'être à la hauteur de ce principe éthique théorique. Nous ne cessons de nous en accommoder, de transiger, de faire des exceptions. Ça n'est, c'est l'une des traductions de la finitude humaine et de l'appartenance au monde. C'est que nous nous accommodons, malgré nous, sans doute, avec des degrés différents d'accommodation, nous nous accommodons très bien, ou plus ou moins bien, avec plus ou moins de mauvaise conscience, d'une grande partie des violences dont nous sommes le témoin, et contre lesquels nous pensons qu'effectivement nous ne pouvons rien faire. Ça vaut de violences pour lesquelles nous ne pouvons rien faire, puis ça vaut aussi de beaucoup de formes de violences contre lesquelles nous pourrions de fait faire quelque chose. Parce que nous pouvons toujours faire plus que ce que nous faisons. Bon. Mais surtout nous faisons des différences. Voilà. Donc nous ne cessons de transiger avec ce principe. C'est toutes ces transactions auxquelles j'ai décidé de donner le nom de consentement meurtrier. Ça vient d'une expression au départ qu'on trouve chez Camus, qui ne parle pas vraiment de consentement meurtrier, mais de consentement au meurtre. Et Camus, le jour où il a exposé, où il a risqué quand même cette expression-là, il l'a risqué, il l'a vraiment risqué.
il a couru un grand risque parce que c'était au moment de la guerre d'Algérie pour renvoyer dos à dos la violence de la torture et la violence des terroristes. Et pour dire, si j'accepte l'une au nom de ma lutte contre l'autre, je consens au meurtre. Et il y a un consentement au meurtre. Et Camus définissait notre temps, le nihilisme de notre temps, comme la prolifération, pour dire et dormi, des formes de consentement. Donc bien sûr, vous avez raison. Lorsque on applaudit à ces formes de sanctuaires, sans voir en réalité les populations que ça fragilise, qui sont les premières à en payer le prix, c'est effectivement un consentement de cet ordre dont je ne peux que aller dans l'autre. Alors, encore un mot sur le consentement. Vous voyez, c'est un consentement, c'est quelque chose qui, dans le fond, nous donne de la responsabilité une compréhension extrêmement exigeante. Parce qu'elle dit, dans le fond, notre responsabilité s'exerce toujours dans un espace qui est en réalité l'abîme entre la responsabilité théorique, celle que la responsabilité éthique, c'est de ce principe inconditionnel de refus de la violence, de secours, de soins, d'attention apportée à toute forme de vulnérabilité et de mortalité, et puis dans la pratique, le fait qu'on s'accommode. Et nous, on est entre les deux, et on doit vivre avec. Et c'est notre condition humaine de devoir vivre avec, et évidemment de devoir inventer des modes d'action, des prises de parole, des gestes, des façons d'être qui nous permettent d'habiter cette faille avec le moins de culpabilité possible. Voilà. Donc c'est ça. Mais la culpabilité, alors ça ne vise pas, encore une fois, à faire le partage entre des coupables et des innocents. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux gens. Il s'agit, c'est pas ça que dit le consentement de notre. C'est pas de faire le pas, c'est une dimension de l'existence. Personne n'y échappe. Personne ne peut prétendre je suis. Et je l'ai construit ce principe parce que, dans le fond, je sais très, très bien dans quelles conditions je l'ai. C'est pas venu d'un seul coup, mais parce que, précisément, dans des discussions avec des amis, des intellectuels ou pas, peu importe, dans des discussions avec des amis, j'étais toujours frappé par le fait qu'ils pouvaient, mais tous, à la fois condamner avec la plus extrême fermeté un certain nombre de violences sur la scène internationale et s'accommoder très bien d'autres formes de violences. Donc c'est cette contradiction que je trouvais insupportable, y compris chez certains intellectuels qui ont pignon sur rue et avec lesquels j'ai eu maintes fois l'occasion de ferrailler ces dernières années. Et c'est pour penser cette contradiction, vous voyez, ce malaise-là que j'ai créé. Donc votre, merci pour votre question, parce qu'elle était exactement dans la notion. Merci. Moi, je voudrais poser une question qui me taraude depuis longtemps. Quand le consentement meurtrier est au pouvoir, comme par exemple quand Hitler, quand les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, comment se comporter face à une violence qui est devenue institutionnelle? Il y a un bel exemple, c'est le 8 novembre 1939, un Allemand a eu le courage d'essayer de liquider Hitler et pratiquement toute la ville. Peut-être que vous en avez entendu parler. Eh bien, mais encore aujourd'hui, il y a des gens, des historiens, par exemple allemands, qui contestent l'attentat du 8 novembre en disant oui, mais quand même, il y a eu des innocents qui sont morts à cause de sa machine infernale. Oui, alors c'est d'accord. Bon, alors je ne sais pas si je vais prendre cet exemple-là précis, etc., qui demanderait énormément de. C'est-à-dire, je ne peux pas faire en 2 minutes, il faudrait vraiment reprendre et réouvrir le dossier, mais je vais. Répondre évidemment sous un régime d'oppression, sous un régime de terreur, l'arme du consentement meurtrier, c'est la peur. C'est-à-dire, c'est la peur qui vous fait consentir. Et cette peur peut prendre de multiples formes.
celui qui l'a dit de façon magnifique, c'est Vassili Grossman, le grand romancier russe Vassili Grossman, qui a écrit ce livre qui est pour moi une source d'inspiration considérable, qu'il était aussi pour le philosophe Emmanuel Levinas, qui a eu le temps de le lire, qui s'appelle « Vie et destin ». « Vie et destin », c'est une énorme fresque qui fait 700 pages, donc il faut avoir du pain, c'est comme quand on s'attaque à un grand roman russe. Mais si vous n'avez pas le temps de le lire, « Vie et destin », lisez un petit roman. Grossman a pensé que l'œuvre de sa vie, ce roman-là, qui avait été confisqué par le KGB, avait disparu. Donc il est mort en pensant que l'œuvre de sa vie avait disparu. Et donc à la fin, entre le moment où le manuscrit lui a été confisqué et le moment où il est mort, il a eu le temps d'écrire un petit livre, 150 pages maximum, qui s'appelle « Tout passe », que vous trouverez en collection de poche. C'est un condensé, vraiment. C'est un condensé de sa pensée, de tout ce qu'il avait mis dans son chef-d'œuvre. Et il montre très bien, justement, comment dans ce livre-là, qui parle de la terreur stalinienne, toutes les formes de consentement meurtrier que génère la terreur, eh bien, elles ont évidemment comme ressort la peur. Donc c'est la peur qui peut faire, qui conduit à se résigner à certaines formes de violence, parce que tout simplement on a peur pour soi et pour ses proches. Donc ce que j'aurais envie de dire pour répondre à votre question, c'est que c'est autant je crois que la notion de consentement meurtrier est utile pour comprendre une dimension de l'existence. Autant après, il faut évidemment affiner l'analyse pour chaque situation historique singulière. Les formes de consentement meurtrier que génère une situation historique donnée dans un pays ne sont pas les mêmes que dans un autre pays. Quand on regarde, c'est ce que j'ai répondu à la journaliste de la Marseillaise qui m'a interviewé par téléphone l'autre jour, c'est vrai que moi je commence à réfléchir sur la violence. On est toujours, dit les philosophes, sont toujours le contemporain, surtout quand ils travaillent sur ce genre de questions, d'événements qui les marquent. Moi, pour les gens de ma génération, c'est-à-dire on est au début des années 1960, il y a deux phénomènes marquants qui sont absolument cruciaux. C'est évidemment pas les guerres de la décolonisation, parce qu'on est né après, mais c'est les guerres dans les Balkans. La violence faisant, avec des violences extrêmes, purification ethnique, viol systématique des femmes, etc., réapparaissant en Europe. Donc c'est ça, et c'est le génocide rwandais. Et la passivité des organisations internationales et des grandes chancelleries diplomatiques occidentales à éviter la purification ethnique dans les Balkans et à éviter le... Évidemment que dans cette situation-là particulière, le consentement meurtrier des Hutus au Rwanda n'est pas de même nature que le consentement meurtrier de la diplomatie française quand elle décide de ne rien faire, ou des diplomaties occidentales. Bon, bien sûr, ce n'est pas du même ordre, mais c'est quand même, dans les deux cas, une forme de consentement meurtrier. Donc il faut. Parmi les multiples choses qui s'opposent au consentement meurtrier, il y a évidemment, alors j'en parle beaucoup dans le livre qui s'appelle Le consentement meurtrier, il y a la critique, il y a la révolte, il y a la bonté. La révolte, elle peut prendre de multiples formes. Et il y a des formes de résistance active et de résistance passive. Et dans les formes de résistance active, et dans le cas que vous décrivez, on fait partie. Mais c'est quand même... ceci dit, évidemment, toute forme d'action violente, y compris celle que vous décrivez, vous expose... Vous savez, c'est pas un hasard si Camus, auquel j'en reviens encore, l'une des pièces dans lesquelles il explique le plus, même si là l'expression n'apparaît pas, ce qu'est le consentement meurtrier, là où c'est même au cœur de la pièce, c'est dans la pièce Les Justes. Tous les Justes reposent sur cette question-là. C'est-à-dire, fallait-il faire exploser la bombe dans le carrosse de l'archiduc alors qu'il y avait deux enfants innocents qui s'y trouvaient? En quelque sorte, voilà, tout est... Mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de...
C'est-à-dire qu'effectivement, chaque fois qu'une action consent à la violence, chaque fois qu'elle s'autorise une violence, elle est dans le consentement meurtrier. Elle est dans un consentement meurtrier actif. Il y a aussi, alors je vais encore vous parler de Camus, il y a une chose extraordinaire. En général, la question qu'on me pose quand je parle de ça, c'est est-ce qu'il y a des guerres justes ? Parce que du coup, il peut y avoir des guerres justes. Hein. Je devance les questions. C'est bien, vous avez la parole au public. En fait, c'est des questions et les réponses. C'est tellement commode. Est-ce qu'il y a des guerres justes ? Il y a un texte que je trouve pour moi, mais vraiment depuis l'adolescence, une source d'inspiration. Dans le fond, les textes qu'on a aimés quand on a entre 15 et 20 ans, et qu'après on passe sa vie dans l'écriture, c'est les textes qui passent leur temps à revenir. Il y a un très beau texte de Camus que vous connaissez peut-être, c'est dans les lettres à un ami allemand. Et Camus dit des choses extraordinaires qui répondent à cette question-là. Il dit oui, bien sûr, il dit à cet homme, il dit, vous nous avez acculés à la violence. Nous n'avons qu'à d'autres moyens. Mais deux choses, je ne pense pas que le monde sera plus juste parce que nous avons eu recours à la violence. Donc il y a parfois des guerres qui sont nécessaires, mais ce que la guerre ordonne de faire, ou ce que la guerre fait faire, c'est-à-dire ôter la violence, hein, n'est jamais juste. Et cette distinction que fait Camus, elle est extraordinaire. Il peut y avoir des guerres nécessaires. Il peut y avoir des situations dans lesquelles, effectivement, les hommes sont acculés à la violence. Mais ce que la guerre leur ordonne de faire n'est jamais juste. Voilà. Et cette distinction-là qu'il fait, et c'est extraordinaire comment il s'adresse à cette... Il dit dans le fond, là, ce que je lui dis à cet ami allemand, peut-être la chose que je vous pardonne le moins, c'est de nous avoir acculés à la violence, de nous avoir conduits, de nous avoir forcés. Oui, moi je voulais revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, la notion individuelle de culpabilité. Parce que je crois que la problématique, ce n'est pas d'être coupable, c'est d'être responsable. Mais là, je trouve qu'on est dans presque dans une forme de confort, de réflexion globale. Mais la seule question, c'est l'individu. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que moi, bien moi, en tant qu'individu, je consens hein, au meurtre quelque part. Je pense au... Vous évoquiez en termes de législation concernant le travail des enfants, pour moi, on a déplacé le problème. On l'a éliminé en Europe, mais en achetant tous nos outils multimédia, on fait travailler les enfants ailleurs. Donc, quelque part, j'ai évidemment ma part totale de responsabilité. Oui, vous avez... Pas de culpabilité, mais de responsabilité. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, je suis d'accord avec presque tout, mais pas d'accord avec vous. Parce que vous avez parfaitement raison sur l'exemple que vous donnez, vous avez parfaitement raison. Mais il y a un. Dans le fond, si vous voulez, l'écart entre la responsabilité théorique, celle qui nous ordonne, qui exige le soin, la responsabilité du soin, du secours et de l'attention pour tous, pour la vulnérabilité et la mortalité de tous. Voilà. Donc l'écart entre la responsabilité théorique et la responsabilité pratique fait que notre responsabilité pratique n'est jamais à la hauteur des exigences de la responsabilité théorique. C'est-à-dire que notre responsabilité pratique est toujours défectueuse. Elle est toujours en deçà de ce qu'elle devrait être. En réalité, nous ne sommes jamais suffisamment responsables. Et cet écart-là nous rend coupables. Il y a une forme de la culpabilité. Attendez, on peut penser à la culpabilité autrement que dans le champ de la sémantique chrétienne. Je ne suis pas en train de vous parler de la culpabilité au sens chrétien du terme, ni même au sens nietzschéen. Si le mot culpabilité vous gêne, on peut l'enlever, c'est pas le problème. Mais l'idée, quand même, je ne sais pas quel autre mot utiliser alors, mais l'idée que la responsabilité pratique que nous exerçons est toujours en deçà de ce qu'elle devrait être, et que donc nous ne sommes jamais assez responsables. Nous sommes coupables en cela que nous ne sommes jamais suffisamment responsables. Et vous le dites très bien, là, l'exemple que vous dites est tout à fait, mais ça commence à changer beaucoup de choses. C'est-à-dire, on voit bien que par rapport, ça ne change jamais complètement, ça va prendre encore
du temps, mais il faut espérer qu'à un moment, on aura de plus en plus le réflexe de se passer de biens de consommation quand il sera avéré que, en réalité, ils proviennent d'un système d'exploitation systématique d'enfants ou de prisonniers ou de choses comme ça, comme c'est le cas, comme on sait, dans un certain nombre de pays asiatiques. Mais l'idée quand même de ce recul du seuil de tolérance, je pourrais citer, voilà, vraiment on pouvait partir dans plein de directions. Il y a une question, je prends la question. En sortant un petit peu de toutes les considérations que vous venez de tenir, je voudrais savoir ce qui vous amène à vous émerveiller. Alors d'abord, je vous réponds très sincèrement. Ce qui m'amène à m'émerveiller, d'abord la naissance. Je trouve, vous savez, il y a une c'est cité par Nietzsche au début de la naissance de la tragédie. Et puis Nietzsche renvoie à un moment pour faire comprendre quelque chose. Il renvoie à l'expression de la. Un jour, le roi Midas rencontre le sage Silène, qui était un disciple de Dionysos, et il lui dit. Le roi Midas demande à Silène quel est le bien suprême. Quel est le bien suprême? Et Midas et le sage Silène, le sage dionysiaque, est évidemment, lui fait une réponse en lui disant le bien suprême, ça serait de ne pas être né. Et puisque tu es déjà né, le bien suprême, c'est de mourir le plus vite possible. Et alors évidemment, quelle est la. Vous allez voir, je vais répondre à votre question. Quelle est la sagesse de cette réponse extrêmement provocante? C'est que ce que Silène a voulu pointer dans la réponse à Midas, c'est que toute notre existence est prise entre deux inconnus, qui sont d'une part celle des origines, celle de la naissance, celle, autrement dit, de tout ce dont nous héritons avec la naissance. C'est celle, par exemple, qui hante tous les personnages de Dostoïevski, tous les romans de Dostoïevski, qui naissent avec, comme ça, tout un tas de, avec un héritage très lourd de passion, de pulsion, etc. C'est aussi celle qu'a dit très bien Freud quand il dit « Nous sommes tous les héritiers d'une longue génération de meurtriers ». Donc, vous voyez, il y a cette terreur de l'existence qui est liée à l'énigme de la naissance, et puis il y a la terreur de la finitude, de la mort, etc. Donc la réponse du ciel, il dit « L'existence est tellement prise entre deux choses terrifiantes que le plus simple, c'est d'y échapper, et si tu n'as pas pu y échapper parce que tu es né quand même, échappe-y. » Et alors, qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? Mais qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? On peut opposer à cette double terreur le fait que toute naissance est un émerveillement. Voilà. Que toute naissance est quand même un émerveillement. Donc voilà, comme si je vous dis, donc il y a ça. Je trouve que l'éducation est un émerveillement. J'ai la chance d'avoir un métier qui me confronte, mais vraiment tous les jours avec des jeunes qui y croient, qui ont envie de faire quelque chose. J'adore mon métier. J'adore recevoir passer. Comme je dirige le département de philosophie dans l'Insu. Bon, d'accord, c'est pas les pires des étudiants, mais j'en reçois, j'ai des journées entières où je reçois des jeunes pleins d'idées, pleins de projets, qui ont envie de faire plein de choses. Un paysage. Je sais pas, tout à l'heure, moi je viens pas assez souvent dans le sud, je connais pas bien la Méditerranée. Tout à l'heure, on m'a emmené dans un appartement magnifique avec une terrasse splendide qui dominait la mer. J'étais émerveillé, donc une rencontre, l'amitié peut être une source d'émerveillement, l'amour, ben voilà, il y a un certain nombre, donc il y a dans la l'existence est remplie de points mystérieux insoutenables qui sont une source de la violence qu'on peut ressentir en nous, mais aussi de plein de contrepoints qui sont des raisons de s'émerveiller. Donc, pas mal.
pour répondre à votre question. Mais la première, si vous dites, voilà, très simplement, c'est la première chose qui me vient à dire, c'est la naissance. Hein. C'est la naissance, l'amitié, l'amour. Voilà. Et puis après, il y a eu un tableau, une œuvre d'art. Enfin, le plaisir esthétique est une source d'émerveillement, mais il n'y a pas que le plaisir esthétique. Alors, je vais avoir quelques difficultés à poser mes questions après ce moment d'émerveillement. Mais j'avais une première chose. Je m'étais dit que je ferais volontiers la peau au bon seuil. Je le remettrais volontiers au panier. Et je pensais à Anna Arendt qui dit au fond que la pensée naît quand on est capable de se mettre à la place de l'autre. Et donc, à ce moment-là, le seuil de tolérance, tolérer l'autre, n'a plus de raison d'être, peut-être. Ça, oui, c'était ma première. D'accord. Mais ça, c'est. Ça, votre objection vaut pour la première acceptation du seuil de tolérance. Voilà. Dans tout ce sens-là. Elle ne vaut plus du tout pour la seconde acceptation que j'ai. Voilà, c'était ça le retournement de la conférence. Hein. Ouais, c'était de passer d'un sens à l'autre. Et dans le second sens, vous voyez bien que c'est plus du tout de l'autre qu'il est question, mais des formes de violence faites à l'autre que l'on tolère et qu'il s'agit. Donc ce seuil de tolérance, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il existe. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, à un moment donné, dans les sociétés données, des formes de violence dont on s'accommode. Regardez aujourd'hui. Regardez dans l'actualité, quand même. Je ne sais pas comment ça ira. Et cette grande affaire qui secoue les médias, l'affaire du harcèlement sexuel à Hollywood, de Harvey Weinstein. Et de ces pratiques dans le milieu, de toutes ces formes, et de toute cette parole qui se libère. On voit très bien que dans un certain nombre de milieux, ça va devenir beaucoup plus difficile, en tout cas. Et donc là, on peut espérer, on peut réellement espérer qu'avec cette affaire terrible et cette libération de la parole, on gravisse. Vous avez des doutes, monsieur? Moi aussi, mais j'ai décidé de m'émerveiller ce soir. Non, oui, parce que je sais pourquoi vous avez des doutes, parce que c'est systémique, parce qu'il y a tout un système derrière, parce qu'il y a des jeux de pouvoir, etc. Mais quand même, je pense que je ne suis pas sûr que... Alors moi, je vais poser une deuxième question, puis là, je vais arrêter parce qu'il serait temps. Moi, je suis pas pressée. Hein. Oui, mais bon. Moi, j'ai du famille. Hein. Non, mais la faculté n'a pas de... réagit un petit peu différemment. Quand vous avez parlé de sédimentation, de l'inacceptable, j'ai pensé aussi à ces sédimentations de catastrophe. Le problème, c'est qu'avec la sédimentation, on ne voit plus grand-chose. C'est une sorte de magma. Et on avait intitulé notre cycle « Des yeux pour voir ». Voilà. Et donc, si vous voulez, la sédimentation, ce qui fait les sédiments, on n'est plus dans l'ordre de l'événement, parce que l'événement, on le voit, il est là, il est clair, il est... Bon. Le problème, c'est que quand il se produit quelque chose, on ne le voit quelquefois qu'après coup. En 1933, quand Hitler a été élu, et que les diplomates français sont allés lui baiser la main, excusez-moi, pratiquement, qu'ils sont revenus et qu'ils ont dit « Oh, mais ça va, il n'y a pas de souci à se faire », je crois que, si vous voulez, ils n'ont rien vu à ce qui était en train de se mettre en place, cette sédimentation. Et ça me pose un problème, le problème de notre acuité, de notre capacité à voir à quel moment... de juger d'un événement, d'être capable de dire, voilà, là, il se passe quelque chose. Alors, je pourrais même carrément bien dire et vous laisser le mot de la fin, parce que ce que vous dites là est tout à fait juste. Alors, évidemment, moi, je vous ai présenté, ce que je vous ai exposé, c'est les 15 premières pages, en quelque sorte, de ce livre qui va s'appeler « Inhumaine condition, combattre l'intolérable », qui sortira en février ou mars prochain. Et après, il y a de très longs développements que je ne pouvais pas vous présenter aujourd'hui sur la nécessité du travail de l'imagination pour rendre visible l'invisible, pour nous faire voir ce que nous ne voulons pas voir. Alors, les diplomates français, ils ne voulaient pas voir.
il y avait tout un tas d'obstacles, etc. Et dans le fond, le recul du seuil consiste d'abord à faire voir ce qu'on ne veut pas voir. On reprend le milieu du cinéma. Quand je dis ça va être de plus en plus difficile, ça va être de plus en plus difficile de faire semblant de ne pas voir. Ça ne veut pas dire que les pratiques vont changer. Je ne crois pas que les pratiques changent du jour au lendemain. Si je ne connais rien au milieu du cinéma, et que les quelques cinéastes que je connais ne sont pas soupçonnables de quoi que ce soit de cet ordre. Donc, moi j'imagine. Mais en tout cas, voilà ce que je veux dire, et vous avez cette petite réponse, c'est qu'effectivement, je n'ai pas eu le temps de rentrer, mais je m'intéresse beaucoup au cinéma et à la littérature. Dans mes travaux, notamment dans ce livre dont je viens de parler et dans les choses que j'ai envie de faire après, parce que je trouve que l'une des fonctions critiques de la littérature et l'une des fonctions critiques du cinéma, c'est précisément de rendre le visible l'invisible, c'est de nous donner à voir ce que nous ne voulons pas, ou mieux ce que nous ne savons pas voir, ou ce que nous avons mille et une raisons de ne pas voir, parce que tout un tas d'obstacles existent. Et je trouve très juste le fait que vous ayez fait le rapprochement entre la sédimentation de l'inacceptable et le fait que contre cette sédimentation, ça veut dire effectivement des couches. Alors je vous dis d'où ça vient, cette idée de sédimentation de l'inacceptable. Je ne sais pas si, c'est en général un moyen sur le scolaire, si vous vous souvenez du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau, qui a été un des premiers émerveillements philosophiques, il y a très 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 longtemps. Et dans le discours, à un moment, Rousseau dit, dans le fond, lorsque tout ce qu'on écrit sur l'homme, ça ne va pas, parce que nous avons oublié ce qu'était l'homme à l'état de nature. Et ce qu'était l'homme à l'état de nature, nous avons oublié, nous ne voyons plus, nous ne savons plus quels sont effectivement les mouvements naturels de l'âme et les passions créées par la société, et par, etc. Et nous le sommes parce que c'est comme l'homme est comparable à la statue de Glaucon qui est recouverte d'algues, qui est tellement recouverte d'algues, que nous ne savons même plus de quel métal elle est faite. Et bien c'est un peu ça, la sédimentation, c'est toutes ces couches de choses inacceptables qui nous empêchent de voir ce que pourtant nous avons sous les yeux, ni même de l'imaginer. Merci Marc. Bon.